Une vingtaine d'hommes se préparent à monter au front sous les ordres du capitaine Sergueï. Il faut faire très attention parce que nos soldats doivent aller directement sur la ligne de contact avec l'ennemi. Il y a un an et demi, Sergueï était un simple professeur d'histoire. La guerre a fait de lui un capitaine respecté. Ces hommes ont tous signé pour un séjour dans les tranchées. C'est là que se joue une bonne partie de la guerre. Alors Sergueï conjure le sort comme il le peut. Je ne crains pas la mort, je ne crains pas ce qui m'attend. Je ne crains qu'une chose, c'est d'abîmer ma coiffure. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous respectez les règles de sécurité, vous resterez en vie. Pour faire face aux Russes, il va falloir s'enterrer. Creuser, c'est la seule manière pour nous de nous protéger et d'arrêter les Russes. Si quelqu'un fait une crise d'angoisse, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous comptez de 1 à 10 en visualisant les chiffres dans votre tête et votre angoisse diminuera. Il faut à peine 45 minutes pour monter sur le front. Dernier moment de répit. À travers ces immenses plaines gelées du sud de l'Ukraine. Ils doivent passer 10 jours dans cette tranchée baptisée Manchester. Enterrée à 800 mètres des lignes russes. Écoute. C'est un drone. Attention, viens ici. En ce moment, il y a un drone juste au-dessus de nous. Parfois, ils jettent des grenades. C'est pour ça qu'on se cache pour être plus en sécurité. Aux côtés du capitaine, voici Plombir, 24 ans, la plus jeune recrue du bataillon. Il est posté sur cette ligne de front depuis plus de 10 jours. Dans le civil, il aurait dû rester étudiant en master de commerce. Mais la guerre en a décidé autrement.